Dans le module 2 du programme Manifestez vos désirs, je vous accompagne à sortir de la jungle de votre passé, de cette boucle de vos conditionnements passés. L'idée ici, c'est de vous débrancher de vos blessures, de vos peurs et de ce mécanisme de survie dans lequel vous avez été, dans lequel vous êtes toujours. Pour pouvoir construire votre propre bonheur, pour que vous puissiez vivre votre propre vie ici et maintenant, vous avez besoin de le vivre à partir de vos propres désirs. On est d'accord, de vos propres règles, de ce qui est, à partir de ce qu'il y a du sens pour vous. Mais il y a quelque chose qui vous retient en arrière parce que, en réalité, vous êtes branché, votre réalité de vie aujourd'hui, vous la voyez, vous la ressentez à travers les filtres de votre passé, à travers l'histoire, votre histoire passée. Ça veut dire que vous êtes bel et bien branché dessus. La question, c'est juste comment vous débrancher de votre passé. Ici, dans le programme Manifestez vos désirs, qui est à la fois un alliage de la quantique, de la neuroscience et bien d'autres techniques, il ne s'agit pas de guérir blessure par blessure. Parce que mes amis, si par exemple vous guérissez d'une blessure après l'autre, mais que vous ne changez pas intrinsèquement votre personnage, votre structure identitaire et que vous restez toujours ce personnage de victime, en réalité, vous ne changez pas la base de votre histoire qui est que vous êtes victime de ce qui s'est passé. Pour vous débrancher de votre passé, vous avez besoin d'avoir un autre regard sur ce qui s'est passé, avoir une autre version de l'histoire. Vous avez besoin d'avoir une relation différente par rapport à votre passé. Parce que c'est uniquement quand vous allez déposer une histoire nouvelle, vous allez réécrire votre histoire, que vous allez pouvoir avoir un point de départ différent par rapport à la construction de votre histoire ici et maintenant. Donc, à l'issue de ce module 2, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous allez vous sentir en paix vis-à-vis de votre histoire et vis-à-vis de vos parents. Mais aussi, vous allez améliorer la relation que vous avez avec vos parents, si vous le souhaitez, bien sûr. Ce qui est important dans ce module 2, justement, c'est que vous allez prendre conscience qu'effectivement, vous n'avez aucun pouvoir de changer ce qui s'est fait. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais vous avez le pouvoir de changer le regard que vous portez sur ce qui s'est passé. Et ce regard, c'est ce qui va impulser une nouvelle réalité de vie pour vous et un nouveau souffle de vie. Je vous souhaite la bienvenue dans le programme Manifestez vos désirs.